d'abord un brûle-gueule d'avant-guerre qu'il a dérobé sans doute à son grand-père. Il cultive sa névrose et sa nostalgie des roses. Il donne contre une bière des leçons particulières de maintien folklorique. Il donne contre une bière des leçons particulières de maintien folklorique. La vareuse qu'il exhibe fièrement lui affecte l'allure d'un indigent. Il cultive l'ignorance pour justifier l'apparence. Il donne sans qu'on lui demande des cours de cuisine normande et de macrobiotique. Il donne sans qu'on lui demande des cours de cuisine normande et de macrobiotique. Comme il a usé ses fonds de pantalon, tant dans les facultés que dans les bas-fonds, il a de grandes idées, la parole décidée. Il veut vivre dans la dèche, dans une vallée de l'Ardèche, et faire de la musique. Il veut vivre dans la dèche, dans une vallée de l'Ardèche, et faire de la musique. Comme beaucoup de poètes de son rang, il se refuse à parler de ses parents. Il a honte de son père, qui travaille au ministère. Mais quand il n'a plus un sou, que les copains mangent des cailloux, il déjeune en famille. Mais quand il n'a plus un sou, que les copains mangent des cailloux, il déjeune en famille. Quand son cœur battit folle pour une fleur, des pensées érotiques soudain les fleurs, il invite ses camarades pour effeuiller la naïade. Mais il est très étonné quand la belle s'est donnée à un autre convive. Mais il est très étonné quand la belle s'est donnée à un autre convive. Comme il est convaincu que la vie est moche, il est toujours dans le fond de sa sacoche quelques joies artificielles, des herbes providentielles. Il pourrait visiter Pékin ou les marais Poitevin ou la côte sauvage. Mais il reste dans son coin et roule son petit joint pour faire un beau voyage. Il pourrait visiter Pékin ou les marais Poitevin ou la côte sauvage. Mais il reste dans son coin et roule son petit joint pour faire un beau voyage.